Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'ils en rêvent, depuis le temps qu'ils en parlent, c'est l'heure de leur entrée officielle dans ce mondial. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Albaïd Stadium. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Albaïd Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. L'entrée en lice dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. On ne peut pas être indifférent à un match du Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Voici la compo pour le Qatar. Pas mal de convictions sur le rôle des pistons dans cette formation 5-2-3. Ça annonce un duel très intéressant, une volonté de passer par les côtés. Alors les voilà, les titulaires pour l'Équateur. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du mondial. Très bonne progression, balle au pied. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Quel geste! La transmission est coupée in extremis. Afif. C'est pour Ahmed. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Ah, bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Ahmed. Ça continue avec Afif. Ali. Ah, ça part très bien. Bonne frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Ah, c'est pas bien relancé, le ballon directement rendu aux adversaires. Intervention du gardien.
corner. C'est contré, mais ça va revenir. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. C'est mal renvoyé, attention aux conséquences derrière. Encore une fois, sur la trajectoire. Et c'est un ballon qui est dévié, corner donc. Le corner. Attention, c'est pas terminé. Athènes. Allez, ballon pour une frappe. Ah, le ballon est contré. Attaque maîtrisée pour récupérer le ballon. Penalty, la faute est signalée par l'arbitre. Oh, le gardien s'interpose sur ce penalty. Almoezali, très bonne intervention, sans faute. On voit bien avec ces stats que ce n'est pas parce que tu as le ballon que tu es dangereux. Ce qui compte, c'est l'intention et le déplacement. Et pour l'instant, aucune des deux équipes n'a l'intention de déséquilibrer son rival. Oui, ce ballon est intercepté. Et ça peut être dangereux. Oh, ok, et pénalty, oui. Et oui, elle indique le point de pénalty. C'est l'occasion de prendre l'avantage, là. L'arbitre inflige le rouge après avoir indiqué le point de pénalty. Le score est de parité, mais ce fait de jeu peut tout changer. Oui, d'ailleurs, pénalty marqué ou pas, pour les deux équipes, c'est un autre match qui commence maintenant. C'est dedans, pénalty réussi, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Sur ces images, Sopeno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté, c'est très bien tiré du travail de pro. Et voilà, c'est un changement donc. Goal. 1-0 donc au tableau d'affichage. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment, et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Ah, et le pressing est efficace là. Ah, et l'option de la contre-attaque est possible. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est fini. C'est la fin de la première mi-temps à l'Albaït Stadium.
Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Ah, ça part très bien. Bonne frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Encore une fois sur la trajectoire. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Et ça peut être dangereux. Oh, quelle opportunité gâchée. L'arbitre inflige le rouge après avoir indiqué le point pénal. Et c'est dedans, penalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Allez, c'est reparti la deuxième période donc dans ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Passe à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Quel ballon dans le dos de la défense. Ah, l'action prometteuse, mais malheureusement, c'est un hors-jeu. Oui, la course a démarré beaucoup trop tôt. On ne sait pas si c'est une course pour demander ou une course pour s'enfuir. Et le ballon change de propriétaire. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Athème. C'est pour Ahmed. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. Récupération du ballon. Ali. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Il peut tenter sa chance. Et c'est le but ! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Ça fait maintenant 2-0. Ahmed. Ça continue avec Kouki. Athem. Salman. C'est pour Athem. Al-Rawi. Kouki. Ça joue avec Roro. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Oui, bien fait, le danger est repoussé. Athem. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Quel bon sens, toujours dangereux dans la surface. Aucune prise de risque, le ballon est dégagé. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur.
Ah, ce coup franc manque de conviction, c'est repoussé par le mur. Le corner. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Vers ses partenaires dans la surface. C'est contré sans problème. Corner. La pression défensive réussie, la tête est donc manquée. Ah, c'est pas bien relancé là de la part du gardien. Et le gardien se rattrape bien sur cette action. Effectivement, un très bon arrêt qui vient faire oublier l'intervention précédente. Tout cela a été un peu approximatif. Et l'arbitre indique 3 minutes minimum d'arrêt de jeu. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. C'est la fin du match et les supporters sont vraiment pas contents. Ils estiment que cette exclusion a empêché leur équipe de faire un meilleur résultat. Ah oui, l'arbitre a soulevé quelques colères dans cette équipe, ce qui explique à cette atmosphère très tendue à la fin du match. Ça part très bien. Bonne frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Encore une fois sur la trajectoire. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Et ça peut être dangereux. Oh, quelle opportunité gâchée. L'arbitre inflige le rouge après avoir indiqué le point de pénalty. Et c'est dedans, un pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Il peut tenter sa chance. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très... Ah, ce coup franc manque de conviction, c'est repoussé par le mur. C'est contré, sans problème.